Ah, tu t'en vas, toi? Ouais. Pourquoi? Ah, tu veux voir ma bébite? T'as quoi? Ma bébite, tu veux que je te montre ma bébite? Ah, oh, c'est chiant. Viens là. T'es défoncé encore? Pense pas. Non, j'ai juste à montrer ma bébite. Ah, oh, mais j'ai aucune envie de voir ta bébite, enfin! T'as peur, c'est ça, hein? Ça me fait pas peur! Sauf que ça s'appelle du harcèlement sexuel, en fait. Mais t'es malade, toi. Ah, moi, je suis malade. Tu te rends compte que c'est puni par la loi? Qu'il y a des gens qui tombent vraiment et qui prennent cher? Mais en fait, vous, les hommes, il y a quand même un sacré pépin là-haut, hein? Vous êtes nombreux, en fait, à l'intérieur. Comment ça s'organise? Vous faites des conférences entre vous en disant, tiens, et si on était dégueulasse avec les femmes? Tu crois quoi? Qu'on dit plus rien? Mais alors, de nos jours, on dit tout, mais on fait. Ma bébé! Ok. Oui, c'est ma bébête d'Halloween. Ta bébête. Ok. D'accord, ouais. Non, je croyais que tu me parlais de ta petite, tu vois. Mais ça va pas, toi. Tu me disais. Ben oui. En plus, c'est pas si petite que ça. Tu sais que je la mesurais hier, puis je me dis, si j'arrive à me débarrasser de la courbe, je pense que je pourrais enfin être dans la moyenne européenne. Okay. Allez, tu t'en charges. Mais quoi, mais c'est toi qui as commencé. Clique pour voir la suite des épisodes et abonne-toi à la chaîne Rose Mécanique.